Bonsoir Océane. Ça donne envie de danser. Vraiment. Franchement, c'est dur de se retenir. Hein. On commence donc en musique avec des remixes de trésors oubliés de Kinshasa. Oui, c'est joliment dit. Et c'est vraiment ça, des trésors. Il y a toute une histoire derrière ces morceaux. Ils ont été enregistrés en 1978, à l'époque où la musique zaïroise au Congo est en pleine ébullition. Alors c'est un journaliste de Radio France, Bernard Treton, qui décide d'enregistrer des sessions live de musique urbaine, donc dans la rue. Il en a créé un album qui n'a pas marché au début. Il a fallu attendre les années 2000 pour que ça prenne de l'ampleur. Et c'est là que Martin Messonnier arrive, 40 ans plus tard. Ce producteur de musique du monde et DJ à ses heures perdues a retravaillé les morceaux pour en faire des musiques urbano-électriques, électro-urbano, comme vous voulez. Alors nous l'avons rencontré, il nous a dit qu'il avait été fasciné par ces musiciens africains. Écoutez. On était à l'époque punk et tout d'un coup, c'était, il y avait des punks africains, quoi. C'était un truc. C'est des kalimbas, donc des pianos africains, mais où ils ont recréé les micros comme des micros de guitare électrique. C'est-à-dire ils ont pris des vieux haut-parleurs, ils ont cassé le haut-parleur et ils ont mis la partie aimantée en pyrite et ils collent du fil de cuivre, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment recréé des micros et ça donne un son vraiment spécial. C'est des sons réels, quoi. C'est des vrais groupes qui jouent vraiment, donc c'est pas de l'électro, c'est de l'électronique sans électronique, quoi. C'est intéressant et je pense que c'est à mettre en rapport avec ce qui sort en ce moment au Congo. Là, il y a des DJ formidables de Lubumbashi comme DJ P2N ou bien il y en a d'autres à King, il y a DJ Ronaldo. Il y a une émulsion de musiciens en ce moment qui est en train de revenir à la musique traditionnelle. Rencontrer les gars qui font les nouveaux sons, c'est toujours un bonheur. Hein. Et puis aller mixer là-bas, ça serait un plaisir, oui, absolument. Excellente musique, ça fait plaisir. Et cette année, on célèbre côté BD cette fois les 50 ans d'une hôtesse bien connue, hôtesse de l'air, Natacha. Je suis sûre que vous étiez un grand fan de Natacha. Ah, c'est fan. Mais oui, tout le monde aimait cette Natacha, cette hôtesse de l'air débrouillarde et féministe. Et de fait, c'était la première héroïne femme à faire son apparition dans le journal de Spirou. C'était en février 1970. Depuis, il y a eu 23 albums mettant en scène ses aventures. Et pour fêter ses 50 ans, nos confrères de la RTBF ont rencontré son créateur et François Valtéri. Regardez. Elle est la première grande héroïne de la bande dessinée populaire, loin des castafiores de Tintin aux bonnes mines d'Astérix. Une belle jeune femme, sexy et courageuse, vivant des aventures que seuls des hommes vivaient jusque-là dans la bande dessinée. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les commissions de censure empêchaient le développement de ce genre de personnage un peu trop sensuel dans des œuvres destinées à la jeunesse. Natacha est la première à avoir franchi le pas en février 1970. Je pense que c'est bien tombé. Il y avait eu un moment donné une sorte d'évolution, il ne faut pas appeler ça comme ça. Il y avait eu mai 68 avant, mais ça ne veut rien dire. Mais il y avait eu quand même énormément de trucs qui avaient changé, qui étaient plus acceptés. L'époque est aux héroïnes. La même année, Roger Leloup crée Yoko Tsuno, mais Natacha est la première. Je disais à Roger Leloup l'autre jour, écoute, tu sais Roger, pourquoi Natacha est blonde et Yoko est noire de cheveux? Ben non, parce que j'ai pu choisir le premier. Hein. François Valtéri est un des derniers des grands classiques de la bande dessinée. Il a connu tout le monde et a travaillé avec les plus grands, de Peyo à Franquin, en passant par Mitei ou Jigé. Natacha devait être l'héroïne d'un seul album, mais le succès était tel que 50 ans plus tard, Valtéri travaille sur une nouvelle aventure, Chanson d'avril, dont voici les premiers crayonnés. Le dessin est de plus en plus précis, Natacha de plus en plus belle et galbée. Les années passent, mais magie de la bande dessinée, l'hôtesse de l'air n'a pas vieilli et Valtéri a gardé sa passion de jeune homme. C'est un métier formidable pour moi, c'est un métier agréable, je le fais toujours avec plaisir et tous les jours encore actuellement, je suis tous les jours, surtout toutes les nuits, je dessine beaucoup la nuit. J'ai eu du plaisir véritablement à dessiner. Je ne me suis jamais embêté dans ce métier. À 73 ans, François Valtéri ne compte pas profiter d'une retraite qu'il a pourtant amplement méritée. Après le troisième opus de l'Épervier Bleu, il a déjà d'autres projets en tête à faire vivre à son hôtesse qui ne fait décidément pas ses 50 ans de vol. Et pour finir, la Maison Bleue aux États-Unis, elle est en vente, c'est ça ?
Exactement. Pour ceux qui en doutaient encore, cette maison bleue perchée sur les collines de San Francisco existe bel et bien. Alors pour l'anecdote, elle avait été repeinte en verte il y a quelques années. Elle a retrouvé ses couleurs d'origine, le bleu, à l'occasion des 40 ans du titre de Maxime Le Forestier. Elle est donc aujourd'hui mise en vente. Mohamed, si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 3,5 millions de dollars. Voilà. J'adore la chanson, mais je pense que les tours sont bas, ça vaut le coup. Alors, il est possible de les visiter depuis ce week-end. C'est ce qu'a fait ce correspondant de Radio France aux États-Unis, l'auteur de cette vidéo. On y découvre une énorme maison qui abritait dans les années 70, au temps de la chanson, une communauté hippie. Donc, c'est ici que Maxime Le Forestier avait hébergé pendant un mois. Ouais, je pense pas que c'était le même décor à l'époque hippie. Non, je crois que ça a pas mal changé. Dylan a dû changer. Merci beaucoup, Océane. Merci. C'était très, très années 70, 70, 70 pour utiliser un anglicisme. Merci, Océane. À demain. Même endroit, même heure. L'invité de